Ouais, qui fait chaud. Ouais, ah, super avec cette canne. Olé! Et ben voilà, elle a fait le taf. Bon, c'est pas un gros poisson. Mais au moins, j'ai pris un fish avec cette petite tuelle. Alors, est-ce que je vais arriver à le décrocher? Là. Voilà, hop, hop, hop. Ben voilà, les gars. Premier fish. Cool. Poisson. Ah, c'est pas gros. Deuxième fiche. Qu'est-ce que c'est? Encore un chouchou. Voilà. Hop, ben j'ai changé, je passe sur leur soupe. Il n'y a pas beaucoup d'eau, pourtant il y a quelques poissons très corrects au milieu. Ça, c'est un petit qui traîne. Il y a beaucoup plus gros au milieu. Hop. J'en ai aperçu quelques chevesnes et quelques perches là qui étaient très très correctes au milieu. Hop. Poisson. Là. Pas évident au bout de ces branches. Ah, le fil. Le fil est passé derrière. Allez, viens, mon petit. Ah, j'ai pas le choix. Je peux aller chercher dans l'eau. Ah, voilà. Changement de poste. Je suis repassé au poisson nageur. Enfin, au poisson nageur avec un mini crank. Et voilà. Super. Top ça. Poisson. Wow, ça c'est correct ou c'est que ça s'est même une belle tape. C'est même une belle tape. Voilà, changement de taille d'hameçon. Je viens de changer de taille. Parce que je le trouvais un peu gros. Je pense que c'était un numéro 8. Je suis passé en numéro 12. Et voilà, première touche. Tac. Parce que j'avais pris. Je prenais plein de tapes. Je sais pas de poisson. Elle est sensible cette canne, c'est un truc de malade. J'avais l'impression que le poisson il faisait plus de 30 cm en final. C'était beaucoup plus petit. Génial ces sensations. Super, c'est pas gros. Alors la tape, les tapes elles sont fou. La canne elle est ultra sensible quoi en fait. Sur du petit leurre, franchement c'est génial. Voilà, c'est pas gros comme poisson, mais ça fait plaisir. Poisson. Wow. Fait une belle chandelle. Il y a un peu de branche là, donc ils vont se foutre dedans. Voilà, ça va, pas ridicule encore. Pas ridicule le poisson là. Hop. Voilà, beau chouchou encore. Je vous garantis que c'est pas des gros poissons. Alors la canne, foi. Je sais où je suis et la table, je l'ai sentir. Hop.
Génial. Waouh. Plus gros là. Décroché. C'était plus gros. Dommage. Il y a toujours des chevesnes sur les bords. Voilà, change un peu de côté. Ouh, t'es magnifique toi. Oh. Une belle tête de méchant toi. Voilà. Allez. J'en ai décroché un énorme juste avant. Il a fait plein de là-bas. La surprise surtout. Poisson. Je l'ai senti quand il a tapé. Ouais, il me l'a gobé. Il me l'a gobé. Je sais pas si vous voyez les gars, il l'a engamé par le trap. Il est carrément engamé. Je sais même pas s'il est piqué au final. Je sais même pas si le poisson est piqué. Non, non, il est même pas piqué. Je l'ai sorti comme ça. Il l'a chopé par le travers. Ouah, cette chance. Bon, oh, comment le jus quoi. Ah, il avait coincé le leurre par le... dans sa gueule comme ça, là, dans ce sens-là, là. Et l'hameçon, il était sur le côté, il était même pas piqué. Exceptionnel. Poisson. La branche, non? C'est bien pêcher les endroits avec des branches, mais... Allez, bon bah... poisson il est toujours et c'est un gardon et ben petit gardonneau tu m'as mis une belle touche et tu t'es bien mis dans les branches voilà gardon rectangle bon allez je suis pas trop un spécialiste de la friture. Ah. Tête de gros de tout à l'heure, ça. Gros papa chope, ça. Ouh. En tout cas, tu travailles bien, toi. Ouais, gros papa chope. Gros, gros, gros papa chope. Gros, gros papa. Et gros papa est parti dans les branches. Le bordel ton milieu là. Allez, passe par-dessus la branche.
laisser un peu de mou parce qu'il va me déboîter. Voilà, c'est ce que je pensais qu'il allait me faire. Je file, je sais pas où il est passé. Ah, je crois que c'est toi tout à l'heure que j'ai décroché. Hein. Là, il est là. Il est là, le. Il est toujours là, le pépère. Ouais, il est beau. Et là, franchement. La canne, elle fait le taf. Hein. Regardez-moi ce chub, les gars. Ah, je vais être obligé de sortir l'épuisette. Hein. Ah, pas prendre de risque. Allez, viens, mon gros. Wouah. Ouais, il s'est décroché dans l'épuisette. Nickel. Je vais me reposter. Ah. C'est un beau bordel, toi. Les gars, regardez-moi comme il est grassouillé. Non, je pêche dans un mètre d'eau. Hein. Garde plus. Hein. Regardez-moi ça, les gars. Bon, il a la queue fendue. Je sais pas ce qu'il a eu. Il a dû avoir un petit accident à un moment ou à un autre. Voilà, il est magnifique. J'en ai décroché un gros tout à l'heure. Je sais pas si c'était pas lui déjà. Voilà, super. Et ben la canne, elle fait le taf. Voilà, pour ceux qui disent que je prends toujours que des petits fiches. Et ben, quand faut sortir des gros, je suis là. Poisson. Ah. Je pensais que le gros chevesne, ça avait calmé un peu la zone. Ça l'a bien calmé, mais bon, ils ont bougé. Ils ont bougé, les gars. Ça va, il est pas vilain. J'ai changé de coloris de crank. Toujours le même modèle. Je passe avec un peu plus blanc. Blanc avec un dos noir. Hop, voilà. Oh, correct hein, celui-ci. Très très correct. Poisson. Laissez le frein un peu ouvert. Laissez le frein un peu ouvert. Voilà, je suis revenu à mon poste de tout à l'heure. On faisant le tour du trou là, ça va être bien. Tu risques pas de te décrocher, toi, mon kiki. Je vais tourner la lèvre. Là. Voilà. Allez, comme ton pote de tout à l'heure, je te jette sur le côté là. Poisson. Ouh, ça peut l'air d'être vilain en plus. Ça peut l'air d'être trop vilain. Correct. Tu peux essayer de te secouer, mon gazier. T'es piqué, t'es piqué. Passe pas vers l'arbre. Merci. Ah, elle fait le boulot, la canne, elle fait le boulot. Après, il m'a prêt à tomber donc. Voilà. Très correct ce chocheux. Allez. Hop là, super. Oh. Allez. Bravo, la canne qui se démanche. Pas emboîté correctement. Là. Alors voilà, deuxième gros chocheux de l'après-midi. Voilà les gars, oh, il est long, hein. Ouais, il fait plus de 45 encore, hein.
Ouais, super. Allez. Hop. Voilà. Pour changer, on est passé, je suis passé au petit cran côté de basse. Wow. Un peu moins gros. Un peu moins gros. Même une belle cartouche. Allez, c'est le pic qui part en dessous. Hop là. Voilà les loups. Je sais pas, c'est peut-être le 12e poisson que je fais là. C'est un truc de malade. Bon bah les gars, fin de session pour moi. Voilà, j'ai fait un petit retour de ce petit UL 4 brins en 0,5 g de chez Ali et en marque Sugeilang. Bon bah voilà, comme vous avez vu dans la vidéo, hein, franchement les sensations, moi j'ai eu des sensations de fou dans cette canne. Voilà, franchement, dès que j'ai eu des tapes où je touchais bah, une pierre ou un morceau de bois, voilà, je savais où j'étais. Ça, elle est bien, bien, bien résonante. Franchement, les touches, elles étaient exceptionnelles. Voilà, franchement, aucun point négatif pour l'instant. Voilà, j'ai fait qu'une sortie, donc c'est pas évident pour se donner des grandes, grandes idées. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, c'est un grand, grand plus. Après, pour le moulinet, bon, il a fait le taf. Voilà. Par contre, j'ai trouvé le frein un peu bruyant. Et la manivelle, voilà, ronde un peu comme ça, je ne suis pas habitué. Voilà, j'ai trouvé un peu grosse, mais bon, voilà, la prise en main a été rapide. Bon, voilà, ça, c'est un bon petit moulinet. Mais voilà, pareil, c'est à voir sur la durée. Voilà, est-ce qu'il va tenir une saison de pêche? Je ne sais pas. Franchement, même niveau esthétique, il est sympathique. Bon. Après, bah, la tresse, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien là, la caméra. Elle a fait, voilà, j'ai pêché quoi? 2h30, 3h à peu près. Et voilà, elle a commencé à déteindre déjà. Donc voilà, comparé à la Daiwa, elle a déteint, mais au bout de 4-5 sorties, que là, au bout de la première sortie, déjà, on voit qu'elle a bien bien commencé à perdre sa couleur. Donc bon, bah là, ça, c'est un petit point négatif. Bon, après, je sais que sur les grandes marques, c'est à peu près il y a les mêmes problèmes. Après, pardon, excusez-moi. En deuxième point négatif, j'ai trouvé qu'elle faisait beaucoup de bruit dans les anneaux. Voilà, franchement... Elle siffle beaucoup, en pressant même qu'elle frotte, donc bon, bah, pour voir que c'est une 8 brins, bon, voilà, je mets une petite réserve dessus. Bon, après, j'ai pêché avec des petits leurres, donc bon, c'est vrai que pour les jeter loin, c'est pas évident. Avec des gros leurres, ça va être un peu plus facile. Mais bon, voilà, dans tous les cas, la tresse fait beaucoup, beaucoup de bruit dans les anneaux, voilà. Puis bon, après, j'avais parlé aussi du badling casking, pardon, en intro, mais voilà, c'est un badling que j'utilise déjà depuis... quelques mois maintenant, voilà, j'en suis super content, 18 centièmes. Voilà, comme pour le combat du gros chevenne, franchement, la canne a bien bien travaillé. Franchement, ça m'a mis une touche de ouf. Hein. Franchement, là, j'étais le premier surpris. Et bon, heureusement que je suis monté un peu costaud, parce que comme vous avez vu, il est parti dans les branches, il a fait un peu le ramdam. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre aussi sur cette canne? J'ai un petit peu pêché au leurre souple, comme vous avez vu, voilà, pas beaucoup. Parce que comme j'ai vu que ça répondait un petit peu au leurre dur, et ben ça fait un moment que je m'étais pas mis au leurre dur, donc ça me manquait, franchement ça me manquait, donc je suis resté, on va dire, 90% du temps en leurre dur. Et au leurre souple, voilà, j'ai pris quand même un petit chevenne tout à l'heure. Bon, au leurre souple, elle sera très sensible, voilà, donc bon, voilà, pour l'instant je dis que du positif. À voir sur la durée, voilà, je pense qu'elle va refaire quelques sorties. Là, on arrive déjà mi-janvier, donc ça va être compliqué pour la ressortir. Elle fera peut-être une sortie, et bon, ça sera déjà pas mal, parce que j'aime bien ma petite rosewood aussi. Donc celle-ci, je vais plus la garder pour l'allier pour l'été prochain, pour vraiment pêcher au crank, enfin, au minot, au leurre souple, voilà, au leurre surface, voilà, pour changer un petit peu de canne, pour avoir d'autres sensations, et une longueur un peu plus longue. Bon, voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, et puis, bah, gardez la pêche!